Bonjour, bonsoir le monde. Moi, content une autre fois encore de retrouver nous. Eh bien, pour faire vivre toutes les dernières nouvelles, c'est Mission PAN pour nous informer sur toutes les nouvelles qui ont passé en Haïti ou encore à l'étranger. Mais information, j'en ai à Zami Auditeur. La police dans la ville Port-au-Prince mettait la patte sous Babi Jean et Jephté Mazar. C'est des kidnappés qui ont opéré dans la ville qui ont kidnappé un petit monde 9 l'année. Ils ont demandé 20 000 $ américains pour libérer. La vigilance, la police et la population, force l'ordre arrivé à tirer chef kidnappé à complice lio qui spécialisé dans fait crime sous population nord-ouestienne. Tout filet ça qui fait dans métropole noire, responsable la police présenté 22 armes, 4 manchettes, 2 téléphones et l'autre matériel encore. Ils ont joué dans le cachot bandit. Et puis mettez en bas code Wendy, chef gang B29 là, dans le cap haïtien. Sorti pas de paix, passé dans le cap haïtien, c'est gros croisé. La police décide pour marrer tout bandit, quel que soit côté yoé. En suivre, yon reportage avec Ernest Dorival, qui est inspecteur divisionnaire. Pas de parole, la police là, dans Grand Noir. Sophia TV 83, réseau information, nous sous toutes nouvelles, restez avec nous. Pour capable informer, continuer à abonner, partager, ou toujours capable permettre yon l'autre ami découvrir channel là et n'ap capable informer ou sur toute nouvelle. La police n'a pas de paix, libéré tel Fanjouvent, yon petit garçon qui gagne 9 l'année, bandit est kidnappé dans date 14 octobre 2021 dans Demelis, yon quartier populaire dans la ville de Port-de-Paix. Ravi Seyo. T'es exigé 20 000 $ américains pour libérer otage là. Pendant opération, la police bénéen l'a arrêté Baby Jean, 22 ans, avec Jeff Temasa, qui t'a participé dans le kidnapping ça. D'après porte-parole police de cela, inspecteur Joseph Léonel, lui fait connaître Baby Jean, t'es déjà couvert, yon premier zak à kidnapping dans Pétionville, avant l'été vint pour réfugié dans la ville Port-de-Paix. 14 octobre 2020, la police, t'es informé que le cas de kidnapping qui fait dans la zone de Mélis, c'est un petit jeune garçon qui a 9 ans qui est né Jorens Telfort. Il a vu ça, il a réclamé un rançon de 20 000 $ américains à papa qui a son ça. Et il y a une information, nous avons partagé, il y a des recherches qui a fait avec service SMBJ et SDPJ, de concert avec parents victimes et population côté nous pourrons arriver que nous avons déposé l'agent ça. Il y a une filature qui a mené pour que pour par exemple moi le bail-cop, même si ce n'est pas montant ça directement, montant en montant à la vie sérieux, dans la zone bondée, bon, l'église catholique là. Il y a une génération qui est née, Jean Bébé, âgé de 22 ans, qui est née à Saint-Michel de la Talaye, dans la Tibonite, mais qui a eu 2 ans depuis que lui-même la ville des Tipotes. N'a pas de paix. Monsieur Safène connaît tout, c'est pas premier acte qu'il fait, première action qui kidnapping qu'il fait, il était fait une zone Pétionville, Port-au-Prince, et ça c'est deuxième kidnapping qu'il fait. Malheureusement, ni montant, ni petit jeune garçon 9 ans, que la police est arrivée joindre nous, ni l'agent, ni petit jeune garçon ça. Et notre jeune garçon, tout que la police a arrêté pour enquête, il y a eu Mazar adjecté. Votre parole, police nord-ouest, l'inspecteur Joseph Léonel finit pour dire la police nord-ouest prend au sérieux les actes criminels et banditise qui persistent à augmenter chaque jour. Bon Dieu mettez. La police nord-ouest a déjà écrit direction générale police là pour demander aide pour remédier à la situation. Dans le cas haïtien, la police présentait lundi ça. Bah, il a presque 22 armes, parmi eux des fusils calibre 12, qui ont été saisis dans le cadre d'opération Coucou Rouge avec Terminator 1, non songez ça, qui était lancé dans le mois de janvier, respectivement, et puis dans le mois d'août passé, les armes ont été allées joindre la direction générale de la police, là, d'après l'inspecteur divisionnaire Anassé Dorival, qui est porte-parole PNH dans le Nord. On va vite écouter précision dans le correspondant au Jean-Roude Paul. Depuis l'année 2021, jusqu'à aujourd'hui, selon le mois d'octobre, la police nationale a lancé diverses opérations. Direction départementale là, a lancé une opération qui était rouge. Direction générale là, a lancé l'autre opération qui est Terminator 1. La police enchaînée avec diverses opérations, ça va permettre que nous saisissions dans l'intervalle là. 22 âmes que Jodia a transférées dans la direction générale de la police. Tout le cas, regardez, là, on a gagné 2 fusils de calibre 12, pour l'autre fusil.
dizi ke nou pou kou konen nou va kombat nou pou jwen non. Nou genyen sou tabla la, napwe nou genyen 6-9 mm, nou genyen 8-38, nou genyen 3 fizi artisanal, sa nou li am kreol la, epi nou genyen 4 manchet, nou genyen 2 koutou, nou genyen douy, nou genyen bagay ke moun yo konan itilize pou yo fwene zare poason an, et puis nous avons une chaîne. Donc, et puis nous avons deux téléphones qui ont saisi tout. Téléphone ça, ça deux armes ça que nous gardé là. Plus couteau, manchette, fusil et fouine, chaîne que nous saisissons. C'est hier nous saisissons, c'est suite à l'interpellation de Wendy Pierre que nous pouvons déconner dans le Cap Haïtien, qui était un groupe, que les B29, qui a fonctionné dans la zone, dans le bloc carénage. Donc, la police. Te gen, on bouk sa ta l'atake, on lot bouk nan kalver. Sepandan, gen yon nan yo ki le Wendy ki te atake, ki te jwen pute pou katouche, e la polis te interpele. Bouk sa, yon mante, li deside pou la l'fe atake. Alors, dimanche matin, 18 octobre la, efektivman, te deside al atake moun nan kalver. Donc, la polis ki te informe par operasyon sa, te pren tout disposition depuis l'an 5h du matin, où il va jusqu'à 9h, donc la police automatiquement n'est pas déplacée, la police est en fait beaucoup de jours, qui permet que le bagage soit sauvé à rien, il y a des types de manchettes, ça, couteau, zam, et puis et chaîne pour garder là, qui n'ont pas l'opéré, pour n'ont pas fait l'opération, mais la police est arrivée, lui, stopper l'opération, et jouer une bagage sur le saisir. Donc actuellement là, comme dit nous, que la police laisse son coucou rouge, là, son coucou rouge, de tout bandit, qui comprennent que le cas empêche le peuple à vaquer à l'occupation de la population. Donc la police a pris toutes mesures pour que non seulement l'arrêter et défier devant la justice. Combien de gens ont arrêté l'opération? Dans l'opération, ça ne va pas arrêter le monde parce que les gens qui ont couru, c'est la population, comme dit nous, la population. Nous vivons non seulement saisir le matériel, ça qui est bon le matériel. Le matériel, ça nous vient quand les gens sont habitués et font toute opération dans la zone. Et carénage, donc et la police est saisie et matériel ça nous gardé là. Toutes armes ça ont saisi à partir de janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'octobre. Premier ministre Joseph Jout a redit encore, je te lundi, le président Jovenel Moïse, yo pan connivence avec gang armé dans le pays d'Haïti. C'est un produit imagination en pile monde, d'après président Conseil supérieur police nationale là. Nan mouman, l'étape répond une question sous déclaration gagnée qui était faite dans la veille, ça lui dit, la veille 17 octobre passé, et ses chefs coalition gang armé Genève en famille à Cali, hein, du Michel Rizier alias Barbecue qui était fait, Barbecue qui était lancé en pinga by opposition Rouen contre toute l'idée pour ta manifester sous pont rouge. Il te promet de sécuriser. Zone pendant président Jovenel Moïse a venu pour activité officielle dans l'occasion commémoration 114e l'année assassinat papa nation Rouen Jean-Jacques Dessalines. Si une série d'individus capables occuper quelques zones et puis pour yo déclarer tête du chef gang pour faire la loi, c'est à cause absence à l'état d'après le premier ministre Joseph Jout. Dans même vite écouter le micro Michel Xavier. Ça, c'est produit imagination pile monde. Même tout le monde que moi, pas de connivence avec gang. Et président Jovenel non plus, pas de connivence avec gang. C'est une absence de l'État, et c'est, malheureusement, c'est ça qui arrive. Une absence de l'État qui fait des nègres qui a érigé ou un chef gang pour occuper des zones pour dire ça qu'a fait, ça pas qu'a fait. Mais là où c'est, fait bandat, c'est tout le temps soleil. Allez. Nous, bon, yo avec Gozam, yo longtemps, pas qu'à comprendre pour qui ça. Pour qui ça, c'est jeudi 7 octobre-là, jour anniversaire moi-même. Vous choisissez, c'est nous-mêmes qui avons besoin de protéger. Nous n'avons pas besoin de protection dans mes bonnes. Les policiers sont dans la société. Et en tant que gens, personne en uniforme, c'est des gens qui visaient, nous connaissons policiers autour, ni policiers, ils sont très visés aussi par l'insécurité. C'est pour ça que nous demandons toujours faire preuve de vigilance. Parce que l'on policier en uniforme, quand on côté ou bien identifier yon policier qui a goumé contre l'insécurité, n'a pas comprendre que yon ces groupes qui puissent cibler dans la société.
malheureusement, nous perdu plusieurs policiers déjà. Mais tout, moi connais direction générale là, la travaille sérieusement dans ça. Et concernant l'incident qui arrivait dans l'hôtel, moi pas ta remet que nous continuions à discuter sous lit parce que une enquête qui est en cours, moi pas ta remet à la déclaration à la fête sous lit qui pourra fragiliser l'enquête là. L'état préférable que nous tendons, et moi connais directeur général de la police là, avec porte-parole de la police là, il y a poté éléments d'information pour nous au fur et à mesure qu'il y a gagné information qui crédible et qui fiable. Pour que nous évitions dans la société, prendre devant le gagnon à criminel ou bien qu'on bagaille qui arrive dans le pays, parce que faut que nous quittions l'autorité policière avec l'autorité de la justice, fait travail sans ne pas besoin fragiliser et la vie de l'autre monde et résultat enquête que la police a fait, que la justice a fait.